couvrera. Devant lui les figaux paraître, et son palais un jour en était plein. Lorsqu'à l'endroit le monarque dîne, l'ours boucha sa narine. C'était une odeur de fumée de la vapeur lui saisit le cœur. Lorsqu'à l'endroit le monarque dîne, l'ours boucha sa narine. C'était une odeur de fumée de la vapeur lui saisit le cœur. Le roi lui dit dans sa colère, sentir qu'il faut être moins dégoûté. Le Saint-Jean-Pouf à cette affaire, quant à l'odeur et la sévérité, il s'y prit mal sa sotte flatterie, de même fut puni. Lion lui parla comme un vrai Caligula, et puis l'étrangla. Il s'y prit mal sa sotte flatterie, de même fut puni. Parla, comme un vrai Caligula, et puis l'étrangla. Mais le renard plus fin s'en dire, disant j'ai pris un rhume par malheur. Quand le roi veut lui faire dire ce qu'il avait jugé de la sandeur, de tout ceci facilement j'affaire, que qui ne veut déplaire. N'est ni trop flatteur, ni trop sincère parleur avec un seigneur. De tout ceci facilement j'affaire, que qui ne veut déplaire. N'est ni trop flatteur, ni trop sincère parleur avec un seigneur.